Mezzo présente l'opéra de l'année. 12 grandes scènes lyriques, 12 productions incontournables des 12 derniers mois. L'opéra de l'année, c'est vous qui votez. Kovantchina de Moussorgski. L'histoire à cœur ouvert. Dans la Russie du tsar Pierre le Grand, les complots se multiplient pour prendre le pouvoir. Entre la famille Kovantsky, menée par le prince Ivan, Dossifei et ses vieux croyants, et le prince Golitsyn, se dessine le combat entre la vieille et la nouvelle Russie. Seule, la clairvoyante Marfa devine l'issue d'une affaire qui se finira dans un immense bûcher. Faire de l'histoire de la Russie son sujet, Modeste Moussorgski ne manque pas d'ambition pour sa Kovantchina. Une épopée où se mêlent les passions personnelles et les ambitions politiques, le mysticisme et les bas instincts. Restée inachevée, cet opéra grandiose sera complété par Rimsky-Korsakov et Shostakovich. Un siècle après sa création sur ce même lieu, Kovantchina revient au Mariinsky dans une mise en scène qui rend justice à la complexité du livret. Mais c'est surtout dans la fosse que cette production trouve sa raison d'être. La direction vigoureuse de Valérie Gergiev et la distribution maison, avec une Olga Borodina en Marfa d'anthologie, redonnent à Moussorgski tout son souffle épique. Kovantchina de Moussorgski au Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le combat pour la Russie éternelle a commencé. Jusqu'au 6 décembre, découvrez les 12 opéras de la sélection sur mezzo.tv. Votez pour celui que vous voulez revoir et gagnez des places d'opéra et des DVD.